Bon, je suis rentrée de course, salut quand même. Je vais vous montrer d'abord, hein, bien évidemment, avec la chaleur, le frais, pour que je puisse mettre tout ça au frigo très vite. J'ai donc, comme vous avez vu dans l'intro, craqué sur des sushis. On a la chance d'avoir chez Leclerc un petit espace sushi depuis un mois. Donc j'ai pris cela, il y a 12 pièces, avocat, surimi, et moi ça me fait deux repas. J'ai repris ce sachet, donc rayon bio, c'est des ravioles à poêler, j'adore, tomate mozzarella, c'est la marque Saint-Jean, trop bon, donc il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse parce que c'est déjà un petit peu imbibé de, je sais pas ce que c'est, mais enfin bon, ça sert de matière grasse, c'est excellent, et c'est un petit peu croustillant si vous le faites bien rissolé, j'adore. J'ai repris donc ces avocats, c'est de la marque Notre Jardin, marque Repère, prêt à déguster. Effectivement, on n'a pas de surprise en les coupant, genre, ah mince, ils sont encore trop durs. Là, c'est parfait, mûr à point comme c'est marqué. Donc, pour me faire des petits avocatos, c'est génial. De la marque Cérel Bio, un grand classique, chèvre miel, on vient revenir dans la poêle sans matière grasse. Et celui-ci, ça je le teste depuis un petit moment, épinard pignon. Donc, on le met avec un œuf, un petit peu de salade. C'est excellent. J'ai pris ces sachets céréales bio. Certains, on peut les manger sans les chauffer. D'autres au micro-ondes. J'ai pris orge, aubergine soja, lentilles et pois chiches cuisinés. Et lentilles, riz, soja. Ça, ce sont mes préférés. Ce pain complet, trois céréales, je le fais revenir au four. Donc, de façon à ce que tout le contour soit croustillant avec du surimi, des avocats. C'est à tomber. Mes petits pruneaux, j'en prends tous les matins, une poignée, allez j'en prends 5 max. Ou alors quand j'ai envie de grignoter dans la journée, ils sont dénoyautés, très gros, bio, dans un yaourt, une crème, j'adore. Alors ça c'est de la dépanne, il y en a 4 autres dans le frigo, c'est Eric qui adore manger ça de temps en temps. Champignons crème par exemple et tagliatelle jambon. J'ai repris, alors ça très cher, 9 euros et quelques, presque 10 euros, les baie de goji, pardon. Ça, je le prends tous les matins, pareil, avec mon fromage blanc, mes pruneaux. C'est un petit apport en vitamines, source naturelle de protéines. Et puis aussi, pour éviter de grignoter la journée, j'en prends un petit peu. Cela, cette galette Bio Village chocolat noir, il existe également en chocolat au lait, galette de riz. Je les mets au frigo, hein, surtout en ce moment, je préfère d'ailleurs. Je trouve que c'est meilleur quand ils sont sortis du frigo, le chocolat est beaucoup plus bon, voilà. Évidemment, mon jus de carotte que je prends tous les matins, je prends un grand verre. Donc c'est riche en vitamine A et puis ça a pas mal de vertus. Perso, je peux plus m'en passer. Je voulais un livre. J'adore bouquiner, là j'ai fini le dernier livre, c'était L'homme qui voulait être heureux. Très très bon, mais ça se finit super vite. J'aime bien l'été bouquiner, prendre un policier, un thriller, ou un roman, bon roman. Mais je voulais Nicky French, c'est un polar, mais là pour le coup le dernier était ultra sombre, c'est plutôt un truc d'automne. Donc j'ai pris celui-ci de Mary Jane Clark, je me suis renseignée, c'est la nièce de Mary Gaines Clark apparemment, Crime glacé. La jaquette m'a donné envie, je trouve qu'elle était de circonstance. Quand un havre de paix se transforme en enfer, ça se passe apparemment dans un spa. Voilà. À suivre. Mon péché mignon, gâteau apéro. Mais bon, j'essaye d'en prendre qui soit le moins, on va dire, gras possible. Donc finement salé, sans gluten, cuit au four, sel et vinaigre. Ils sont bons quand même. C'est les Rice Crackers, c'est de la marque Na. Ensuite, donc j'ai pris ce démaquillant garni, moi je l'aime bien, eau micellaire, nettoie, démaquille, visage, yeux, lèvres, sans parabène, il y a 400 ml. Et celui-ci, donc 0% de sel d'aluminium, sans alcool, sans parabène, microtalc, cadom, très bien. Je cherchais un espresso, donc j'en prends hein, le matin, un seul. Parce que il m'arrive assez souvent d'avoir des migraines. Et c'est vrai que combiné, je vous l'avais aussi dit, c'est le médecin qui me l'a dit, avec un paracétamol, ça marche ultra bien. Plus le café est fort, donc plus c'est 100% arabica, plus l'intensité est élevée et plus c'est efficace. J'ai donc pris le expresso forte, je pense que ça va être dégueulasse, mais peut-être efficace. Dégueulasse, efficace. Voilà. Et c'est en intensité numéro 7. Je vous en parlerai. Si jamais ça fait encore plus d'effet. Parce que le mien, déjà, c'est pas mal. Et ça, donc ça, c'est pas pour moi non plus. Tostaline, 0% de matière grasse. Hein, du pain le matin quand il se fait son pain, beurre et confiture. Je crois que c'est tout. Hein. Ouais. Et bien voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à la liker, à vous abonner, à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Quant à moi, je vous fais un énorme bisou et vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !